Bienvenue ou bienvenue sur ma chaîne, la bibliothèque d'Emilia. Aujourd'hui on se retrouve pour faire le bilan de lecture du mois d'avril. Ce mois-ci j'ai lu un total de 15 livres, dont 38 heures d'écoute, donc beaucoup de lecture audio. Et comme d'habitude, je vais dans un premier temps vous présenter très rapidement les livres dont je vous ai déjà parlé dans le dernier update lecture à peu près à mi-mois. On va passer dessus très rapidement. J'ai relu les 3 premiers tomes de la saga L'Assassin Royal pour pouvoir enchaîner sur la suite. Là, j'ai déjà commencé à écouter le 4e tome pour tout vous dire. Pour rappel, L'Assassin Royal, c'est une saga médiévale fantasy, une saga adulte qui suit Fitz, qui est un bâtard en fait, et qui va être amené au royaume en fait, au château royal, et va être pris sous l'aile de son grand-père pour l'élever en tant qu'assassin du roi. C'est beaucoup plus vaste que ça, mais c'est un pitch très rapide. Je vous ai fait d'ailleurs une vidéo sur l'ordre de lecture, parce que c'est pas toujours évident de se retrouver là-dedans, parce qu'il y a à peu près 36 tomes. En tout cas voilà, c'est gros coup de cœur, mais on peut pas dire que c'est mes meilleurs livres du mois, parce que c'est une relecture. Sans ça, ce serait clairement mes livres préférés de ce mois-ci, mais vu que je les avais déjà lus. Voilà, mais en tout cas, c'est vraiment une saga que j'adore et je suis trop contente. Là, j'ai écouté que un chapitre, mais je suis déjà tellement replongée dans l'univers. C'est vraiment une saga très chère à mon cœur. Si vous ne la connaissez pas, je vous conseille de la commencer. Ensuite, j'avais lu pour la vidéo La Bataille Livresque, que je vous mets juste ici, Le Sang de la Cité de Guillaume Chabanadjian, donc le premier tome de la saga Capitale du Sud, qui bosselait en quinconce avec l'autre saga Capitale du Nord. Ça avait été une lecture plutôt mitigée, vous en saurez beaucoup plus dans ma vidéo La Bataille Livresque. Quoi qu'il en soit, je pense que c'est une lecture que je n'ai pas fait au bon moment et du coup je n'ai pas apprécié à sa juste valeur. Je vais quand même continuer la saga même si j'ai pas du tout été convaincue par ce premier tome. Ensuite, mon coup de cœur de ce mois-ci, c'était Les 7 maris d'Evelyn Hugo de Taylor Jenkins Reid. En ce moment, je fais une obsession sur tout ce qui a rapport avec Taylor Jenkins Reid parce que j'ai adoré cet ouvrage, tout simplement, qui raconte l'histoire d'Evelyn Hugo, qui est une légende du cinéma à l'époque du Golden Age et qui va, à travers ses mémoires, nous raconter sa vie sentimentale, sachant qu'elle a pas mal de choses à cacher. J'en dis pas plus, mais j'adore la plume de Taylor Jenkins Reid. J'ai regardé en parallèle la série Daisy Jones and the Six et je suis accro totalement, voilà. Donc avec les Jeannette, donc Maud et Lovelda, on va essayer de lire Les Sirènes de Malibu ce mois-ci puisqu'il sort en format poche. Et en tout cas voilà, ça va être une super lecture. J'avais très peur que ça ne soit pas à la hauteur de la hype, mais franchement, allez-y les yeux fermés. J'avais aussi lu le Faubourg Mariné du mois, qui est le traducteur des livres d'amour de Linku Tsukake. C'est une histoire qui parle notamment d'une jeune fille qui est sino-canadienne. Donc elle est née au Canada, mais elle a des parents qui sont japonais. Et à la suite de la Seconde Guerre mondiale, en fait, les Japonais qui vivaient et qui étaient d'ailleurs canadiens avaient deux choix, soit vivre dans des camps, soit repartir au Japon. Et avec son papa, ils sont repartis au Japon. On va suivre aussi une petite japonaise qui, elle, a toujours été au Japon, et sa grande sœur va... pas se prostituer, mais va faire un peu hôtesse dans des bars pour pouvoir subvenir aux besoins de sa famille. Et on va suivre aussi des traducteurs deux traducteurs d'ailleurs, qui vont traduire soit des lettres de japonais pour le général, soit qui vont traduire des presses américaines ou des lettres américaines pour des japonais. Enfin voilà, et c'était une très belle lecture, pas un coup de cœur. Il me manquait ce petit truc émotionnel, mais c'était quand même très chouette. Et enfin, le dernier livre que je vous avais déjà présenté, c'était Entre les lignes de Jasmine Guillory, publié chez Hachette Rose dans la collection Madame Princess, cette collection de réécriture de contes version romance moderne et surtout très inclusive, puisque dans le premier tome, Cendrillon est en surpoids, dans le second tome, La Belle est afro-américaine, et dans le troisième tome, je crois qu'Ariel est latino. Un truc comme ça. C'était franchement une chouette lecture, une chouette romance. J'en lirais pas tous les jours, mais je l'ai trouvé pile ce qu'il fallait de mignon, de doudou, de frais, avec aussi des touches de rappel au dessin animé. Et ça, les easter eggs, on adore. En tout cas, voilà, c'était une chouette lecture. Je vous conseille cette collection si jamais vous êtes, comme moi, grand fan de Disney. Et comme moi, vous n'aimez pas trop de scènes olé olé, puisque celui-ci, il peut être lu par des enfants, clairement, il n'y a rien d'épicé. Sachez-le, c'est rare maintenant, donc c'est bien de le souligner. Du coup, après ce petit récap rapide, on va passer au livre que je ne vous avais pas encore présenté en update lecture. Le premier que j'attrape, c'est le 4e tome de la saga Bretzel et Bursalé, écrit par Margot et Jean Lemoyle et publié chez Kamane. C'est donc le 4e tome des enquêtes de Cathy, cette
alsacienne qui a décidé de tout quitter pour venir s'installer en Bretagne et ouvrir son restaurant de choucroute chez les Bretons, et accompagnée de son amie Yann qui est journaliste. Dans cette histoire, on va suivre le meurtre de leur guide alsacienne, parce qu'en fait, tout le village de Locmaria, enfin une partie du village, est parti en Alsace pour découvrir un petit peu la région natale de Cathy à travers un voyage organisé. Et leur guide va en échange après venir faire des vacances à Locmaria, sauf que elle ne reviendra jamais chez elle puisqu'elle est assassinée. Du coup Cathy met un point d'honneur à essayer de trouver ce qui s'est passé, puisque quand même c'est l'une de ses compatriotes qui s'est fait zigouiller. Quoi qu'il en soit, ce sont des petits cosy mystery vraiment sans prétention. C'est pas les lectures de l'année, mais qu'est-ce que je les aime? Qu'est-ce que je les aime? Parce que qu'est-ce qu'on est cosy dedans? Qu'est-ce qu'on est bien? Qu'est-ce qu'on s'y sent bien? Qu'est-ce qu'on a envie d'y retourner? C'est doux, ça se lit vite. D'ailleurs, ça se lit très très vite, parce qu'en deux jours, vous pouvez avoir complètement bouffé le roman. C'est drôle, c'est espiègle, c'est tendre aussi. Voilà, en fait, il y a tous ces habitants qu'on finit par chérir un petit peu. Et vraiment, j'ai trouvé ça super chouette et j'adore cette saga. Vraiment, je l'aime beaucoup. Les auteurs sont absolument trop mignons. Genre, ils sont trop choux sur Instagram. Ils m'envoient des messages genre, merci beaucoup hein, d'avoir... merci à vous d'avoir écrit le livre. Donc j'aimerais bien les croiser un jour en salon parce qu'ils ont l'air trop 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 gentils. Après, oui, ça révolutionne pas le genre, mais franchement, pour un dimanche après-midi, avec une petite tasse de thé, c'est parfait. Voilà, j'en demande pas plus, hein. Moi juste de me faire passer un petit moment cosy. Et puis voilà, donc vachement cool. En plus là il y a les deux premiers tomes en poche, et je crois que le troisième va pas tarder à sortir en poche aussi. Donc si jamais vous voulez découvrir cette saga à moindre coût, ils sont sortis chez Le Livre de Poche. Ensuite, je vais vous parler de La Lune Tueuse de N.K. Jemisin, publié chez Pygmalion. C'est un premier tome de duologie et c'est un ovni littéraire pour moi. Je vous avoue, je l'ai écouté en audio parce que j'avais 2 heures d'écoute gratuite sur une application que je ne citerai pas puisque je ne suis pas du tout convaincue par ses services. Et en fait, j'ai trouvé... c'était très bizarre. Les 100 premières pages à peu près, j'ai rien compris. J'ai rien compris au monde, j'étais perdue, je savais pas qui était qui, où est-ce qu'on se situait. C'était très bizarre. Et puis il y avait un moment très 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 étrange. Hein. Voilà, bim, j'ai tout compris. J'étais genre, ah ouais d'accord, ok. Et c'était très bizarre. Je saurais pas mettre le doigt sur le moment qui a fait que c'est devenu logique dans ma tête. Mais c'était très étrange. Clairement, j'ai jamais lu quelque chose comme ça. J'ai jamais lu un truc comme ça. Il y a des termes qui m'ont un peu dérangée, mais j'ai trouvé que c'était un univers qui est très original, qui est énormément emprunté à la mythologie égyptienne, bien qu'on ne reprenne pas du tout les mêmes divinités, hein, il n'est pas question de Russes, de rats et compagnie, mais c'est très axé mythologie égyptienne, il y a beaucoup de choses qui sont quand même bien connotées. Et en fait, on va suivre Eiru, qui est un espèce de prêtre qui vient... quand je vais vous faire le résumé, vous allez me dire qu'est-ce que c'est que ça? Qui en gros, quand les gens doivent mourir, vient collecter la dîme, et donc il va les tuer dans leurs rêves pour Ananja, qui est la déesse. Sauf que c'est pas un meurtre, parce que voilà, c'est dans le culte, c'est comme ça. Sauf que il y a des gens qui tuent pour le plaisir et on les appelle les faucheurs. Et Eiru, en fait, il va avoir déjà un apprenti dont j'ai déjà oublié le nom, puisqu'ils ont des noms quand même. Nijiri, voilà, ils ont des noms un peu particuliers. Et en fait, tout le monde va penser que Eiru va être corrompu, du coup. Ils vont essayer un petit peu de montrer que c'est pas vrai, que c'est pas un faucheur, qu'il est pur, que blablabla. Et on va suivre aussi une jeune femme qui, elle, est persuadée que toute cette espèce de secte religieuse ne fait pas les choses dans le... pour le bien des divinités, mais que c'est vraiment une secte, et du coup va y avoir beaucoup d'interactions entre plusieurs duos, entre Eiru et la jeune fille, entre la jeune fille et Nijiri, entre Nijiri et Eiru. Il y a beaucoup voilà, de duos en fait, on les suit souvent comme ça, et c'est très 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 bizarre. J'ai vraiment beaucoup de mal à vous l'expliquer, parce que c'est vraiment quelque chose que je n'ai jamais lu. Je saurais pas dire si... j'ai envie de continuer ou pas, je me suis posé la question et je pense que je continuerai quand même parce que c'est quand même quelque chose de très original et que du coup je me dis, vu la fin, la suite va être encore plus axée politique et secte et voilà, essayer de détruire les choses de l'intérieur. Je pense que ça va être très axé là-dessus, mais je vous avoue que
Je suis complètement perdue par cet ouvrage qui est très étrange. Et il faut vraiment du temps pour rentrer dedans. Alors j'ai entendu que c'est clairement pas la duologie de l'autrice la meilleure, mais pourquoi pas la finir et puis après me lancer sur Les Terres Fracturées qui apparemment est exceptionnelle. C'est le premier tome, je me souviens plus comment il s'appelle, mais vous l'avez tous vu passer c'est sûr. Quoi qu'il en soit, voilà, je ne conseille pas ça à des gens qui ne lisent que du young adult, clairement, hein, pas du tout. Mais pourquoi pas, je pense que par exemple Pénélope pourrait adorer ce récit. Ouais, je pense que Pénélope et peut-être Juliette aussi pourrait aimer. En tout cas, c'est pas que j'ai pas aimé, c'est juste que pour moi c'est un ovni, c'est un truc très spé, très particulier, mais je suis quand même contente dans un sens de l'avoir lu. Et j'ai quand même envie de lire la suite, même si je suis un peu... Voilà, je sais pas si je suis très claire. Moi-même, je me sens pas claire du tout. Mais c'est pas grave. Avec le book club du Chaudron Bookiner, nous avons lu Gods of Men de Barbara Klotz, publié chez Rivka. Et je vous avoue que ça a été une lecture très 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 en demi-teinte. Déjà, puisque un peu similairement à l'ouvrage que je viens de vous présenter, pendant très longtemps, j'ai rien capté. J'ai pas compris qui étaient les raclures, qui étaient pas les gueux, mais ils ont un terme pour des gens, genre pas du tout très très sympathiques. Et j'étais un peu à l'ouest. Et surtout en fait je m'attendais à de la fantasy orientale et on n'y est pas du tout. Alors sûrement dans le deuxième tome, mais pendant le tome 1, genre pas du tout en fait. On est dans les montagnes une grosse partie du temps. Et puis la ville dans laquelle on atterrit, je dirais que c'est plus méditerranéen qu'oriental. Et du coup en fait ça m'a énormément déstabilisée parce que je savais pas du tout où on était. J'étais là genre, mais c'est pas ce que je pensais qui allait se passer. J'ai pas ressenti beaucoup d'attachement avec Sable, qui est le personnage principal, qui en fait est une jeune fille qui s'est exilée puisqu'elle a une magie un peu particulière. Elle peut jouer d'une flûte magique qui va avoir des effets sur les gens. En fait au tout début du livre elle tue malencontreusement sa sœur à cause de ça, donc elle va s'exiler, et sauf qu'elle a des pouvoirs de guérisseuse et il y a un autre monsieur qui, j'ai oublié son prénom, Jeric, Joss, Jeric, puisqu'il a plusieurs noms ce monsieur, en fait son père est mourant, il va chercher une guérisseuse, donc il va aller la chercher et ils vont revenir ensemble en gros. Et j'ai pas du tout réussi à m'attacher ni à Sable, ni à Jeric, ni à leur relation. Du coup ça m'a laissé un petit peu de marbre. J'ai quand même envie de connaître la suite parce que en fait je trouve que il y a quand même de très belles choses dans cet écrit, il y a des thèmes qui sont bien abordés. J'irai pas trop loin dans mes descriptions parce que j'ai pas envie de spoiler, mais notamment Aurélie me l'a fait remarquer, il y a une certaine évolution entre le choc des cultures. Où au début ils rejettent totalement la culture de l'autre et finalement tous les deux vont changer pour adopter une partie des cultures des autres pour être beaucoup plus tolérants, et il y a un énorme message de tolérance dedans et je trouve que du coup c'est très très chouette. Et puis surtout dans le 2 on est dans de la fantasy orientale normalement, donc ça me hype un peu plus, mais c'est vrai que cette lecture m'a laissé un petit peu de marbre. C'était pas mauvais, mais c'était pas un coup de cœur. Donc j'en attends beaucoup du tome 2. Voilà. Surtout que c'est très frustrant de voir tout le monde qui est si content et si admiratif du livre. Et moi qui suis là genre ouais c'était cool quoi. Donc voilà, j'ai envie d'aimer, j'ai envie d'avoir de la hype. Donc j'espère que le tome 2 va m'amener cette hype que j'attends. Ensuite j'ai lu Une brique, la passesse de mots, écrite par Jennifer et Alric Twice. Et publié chez Hachette, et là on est plus que sûr de la demi-teinte, puisque sans la narratrice audio j'aurais clairement pas continué cette lecture. Ici aussi il y a de très bonnes choses et il y a de très mauvaises choses. J'en parle dans la bataille livresque. En fait je pense que la plume ne me convient pas, puisque à mon goût je la trouve beaucoup trop lourde et beaucoup trop empreinte de figures de style qui sont pas du tout nécessaires et qui ne font qu'alourdir le récit. Il y a trop de figures de style, il y a trop d'abus de langage, il y a trop de choses qui font qu'en fait on voit que les auteurs se sont appliqués à essayer de bien faire. Mais ça se voit trop en fait, ça aurait mérité beaucoup plus de légèreté pour être justement dans un style qui est très onirique en fait, parce que cette histoire elle est très onirique, mais du coup le style il est tellement lourd que
ça perd un peu de magie, je trouve. Par contre, la narratrice, qui n'est autre qu'Adeline Chetaï, pour les connaisseurs, a fait un travail exceptionnel de doublage. Et surtout, il y a un travail qui a été fait sur l'utilisation des mots qui donne comme un sort d'écho, comme si on lançait un sort, et ça c'était très très chouette. Mais je vous ai pas dit de quoi ça parle. La passesse de mots, c'est l'histoire d'Aria, qui est une jeune fille qui est très amie avec le prince, qui est la fille de la boulangère, et qui un jour, après une attaque de soldats de verre, ça au début j'ai rien compris, va apprendre qu'elle est la passeuse de mots et qu'elle doit apprendre les mots pour pouvoir les utiliser. Et comme ça a l'air très bizarre, mais c'est très très chouette par contre l'histoire, et je trouve que c'est surtout très intelligent parce que l'utilisation des mots est parfaitement faite. Je trouve qu'il y a un travail derrière qui est excellent, et c'est pour ça que je suis un peu mitigée, parce que à la fois il y a des très bonnes choses, les personnages sont très sympas, il y a beaucoup d'intelligence dans le récit, mais par contre la plume est lourde. Du coup, ce qui est sûr, c'est déjà je vais revendre mon exemplaire et je ne vais écouter qu'en audio, mais voilà, c'est un peu étrange pour moi, surtout que pareil, au début je n'ai rien compris à ce qui se passait. Alors faut croire que c'était le mois où j'ai rien compris, mais je vous rassure, il y a d'autres lectures où j'ai compris dès le début, hein. Ce n'est pas une tendance, mais voilà, je continuerai cette saga, mais pas en physique, ça c'est clair et net. Ensuite, j'ai lu Sous la porte qui chuchote de TJ Klune, publié chez De Sactus, et c'était une très bonne lecture. Je vous rassure, là j'ai tout compris. On va suivre Wallace, qui est un homme exécrable, qui va mourir et qui va se retrouver dans un espèce de chalet où il va rencontrer Hugo, qui n'est autre qu'un passeur, et qui va lui expliquer qu'il est dans ce chalet, dans ce salon de thé là, pour le temps qu'il veut, jusqu'à ce qu'il se sente prêt à faire le voyage sur l'au-delà. Et autour de ça, vous avez un grand-père qui est mort, qui est un fantôme, mais qui tient à son petit-fils, donc qui le laisse pas tout seul. Vous avez le fantôme du chien aussi, d'Hugo. Et vous avez May, qui est une apprentie faucheuse, qui va justement récupérer les âmes pour les amener en fait à Hugo. Et c'était vachement chouette. C'était pas du tout à la hauteur de la maison au milieu de la mer Cérylienne, mais clairement c'était tellement beau, c'était très 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 cool. J'ai été très émue, j'ai trouvé qu'il y avait de beaux sujets, très durs aussi quand même, comme le deuil et l'acceptation, le changement, la mort évidemment, et d'autres. D'ailleurs, il y a des trigger warnings au début, hein. Et j'ai trouvé que ça avait été très bien fait. Voilà, j'ai trouvé que ça avait été joli, que ça avait été doux, que ça avait été poétique. Ma seule remarque par rapport à ce livre, c'est que je trouve que le personnage de Wallace a une évolution qui est complètement irréelle. C'est-à-dire que le mec, il passe de complètement méchant comme tout, et en plus, au-delà de ça, hein, il ne se rend même pas compte qu'il fait du mal aux autres, à quelqu'un de très empathique, qui va se soucier de tout le monde, et je trouve que c'est pas réaliste. Ils auraient dû en faire quelqu'un de d'aigri, mais pas qu'il se rende pas compte que par exemple il fait du mal aux gens, parce que au tout début il vire sa secrétaire et il se dit même pas oh la pauvre quoi, il voit pas le problème. Ah c'est vrai, mince, on avait une bourse pour votre fille, bah on va annuler la bourse aussi, voilà. Et à la fin il est là genre super attentionné envers les autres, et je trouve que c'est pas du tout crédible en fait. Du coup c'est peut-être le seul point qui m'a un petit peu gênée, mais à part ça c'était une très belle lecture, et c'est je pense qui fait aussi que je l'aime un petit peu moins que son copain, en gros, voilà. La prochaine lecture dont je vais vous parler, c'est Le Pont des Tempêtes de Daniel L. Jensen, publié chez Bragelonne. Et regardez-moi cette beauté. Ah, franchement, c'est un livre, mais magnifique. Je sais pas ce qu'ils ont fait là. Ce côté marbré là, c'est absolument magnifique. Je suis fan du travail qu'ils ont fait. Bragelonne, bravo, franchement. Et là, on va suivre l'histoire de Lara, qui est l'une des filles du roi, en fait, de Maridrina. Et en fait, elle va être envoyée dans le royaume d'Itikana, qui est un royaume fait d'îles, en fait, où il y a un pont qui est un pont stratégique et commercial très important, et qui, en fait, va vraiment influer le commerce de toute la région. Et du coup, il va envoyer sa fille pour marier le jeune roi d'Itikana, et surtout pour pouvoir, ben, espionner et pour pouvoir connaître tous les secrets, afin du coup de pouvoir renverser le royaume d'Itikana et prendre la main mise sur ce pont. Et franchement, c'était trop chouette, c'était trop cool. C'est une romantessie, et je suis pas la plus grande fan des romantessies, mais j'ai vraiment bien aimé. Et surtout, il y a une question de relation très très saine que j'aime beaucoup. Le personnage principal est très axé sur le consentement, et ça on adore.
Et puis, il est vraiment bienveillant en fait. Il n'est pas du tout dans l'archétype des mecs toxiques qu'on a dans toutes les romances. Vraiment, lui, il est bienveillant, il fait attention à elle. Et c'est un badass quand même, un bad boy un petit peu, mais je dirais pas bad boy d'ailleurs. Je dirais que c'est vraiment le mec courageux, investi pour son pays et tout, donc il va faire des choses parfois. Mais parce qu'il faut bien qu'il protège son peuple en fait, mais ça s'arrête là. Il est sain ce mec. Et qu'est-ce que ça fait du bien? Ça fait trop du bien! Et il y a une seule scène spicy dedans, et déjà elle est courte, et en plus je trouve qu'elle est pas du tout dans l'exagération, dans le tout montré. Et du coup je l'ai beaucoup aimé cette scène, enfin je l'ai beaucoup aimé. J'ai pas lu le livre que pour ça, hein. Mais j'ai trouvé qu'elle passait bien et ça m'a pas dérangée. Alors que parfois ça me dérange, voilà, j'ai pas forcément envie de... d'avoir des détails graphiques là-dessus tout le temps à chaque fois que je lis, parce qu'en ce moment c'est un petit peu une constante, il y en a partout. Non, j'ai été très agréablement surprise puisque cette scène était plus que dosée, donc voilà. Et j'aime beaucoup les personnages, j'aime beaucoup leur relation, franchement leur relation est trop chou. Alors oui, il y a des facilités, il y a des clichés, mais c'est pas grave parce que ça passe tellement bien, franchement ça passe vraiment trop bien. Et heureusement que la suite sort en octobre et pas dans un an. Parce que sinon, mais ça aurait été horrible d'attendre jusqu'au là, parce que c'est ultra addictif. C'est page-turner à fond. Vous le commencez, vous savez que vous allez le finir rapidement. Vous êtes obligés. Donc vraiment très chouette lecture. Je suis contente de l'avoir découvert et j'ai hâte de connaître la suite. Et enfin, le dernier livre que j'ai lu, il s'agit de Golden Sun de Pierce Brown, publié chez Hachette. C'est le deuxième tome de la saga Red Rising que j'avais lu il y a fort longtemps et que j'avais adoré. Alors, dans l'histoire de Red Rising, en fait, on va suivre Darrow, qui est un rouge. C'est une histoire où vous avez les humains, en fait, qui sont répartis par caste, et vous avez les plus grands, ce sont les Ors, qui ont conquis l'espace, qui ont conquis la planète Mars, qui se sont installés. Et vous avez les rouges, qui sont tout en bas, en fait, de l'échelle sociale, et qui restent dans l'ignorance du monde qui les entoure. Eux, ils vont terraformer en fait la planète Mars, ils vont, c'est un peu des mineurs quoi, ils vont aller à la tractopelle récupérer certains matériaux qui sont essentiels en fait pour pouvoir vivre sur Mars, sauf qu'en fait on leur fait croire que les gens ne vivent pas encore sur Mars et qu'en fait juste tout le monde dépend d'eux, et du coup comme ça ce sont des héros et des sauveurs alors qu'en fait tout le monde vit déjà là, qu'on leur cache. Et Darrow un jour il découvre ça suite au meurtre de sa femme et il va tout faire pour se venger. Il va être recruté par ce qu'on appelle les Fils d'Arès, une organisation contre le régime en cours qui va le sculpter pour lui faire obtenir les caractéristiques des Ors, parce que les hommes, selon les castes, ont vraiment évolué physiquement, et il va essayer de les infiltrer pour pouvoir les détruire de l'intérieur. Le premier tome a été un coup de cœur monumental parce que c'est un petit peu Hunger Games mais avec de la mythologie grecque et sur Mars. Et j'ai vu Camille de Madame Errance qui avait commencé la saga et qui l'avait continué, qui avait adoré. Ça m'a motivée à lire la suite parce que j'avais quand même aimé le premier tome à fou, tellement que j'ai acheté le 2 et le 3 direct après. Et j'étais un peu déçue. J'étais un petit peu déçue parce que je crois que j'aimais tellement l'ambiance de l'arène mythologique que du coup d'en sortir ça m'a un peu... Voilà, j'étais un peu déçue. Voilà, même si je le savais au final, mais je crois que j'aimais tellement le concept de l'arène que du coup d'être plus du tout dedans et d'être vraiment dans des vaisseaux, parce qu'avant c'était vraiment une arène mythologique, ils avaient des lances et tout, genre... Et là, on est vraiment dans les guerres de l'espace, quoi. Et ça me dérange pas, j'adore Star Wars, hein. Mais du coup, c'était pas du tout ce à quoi je m'attendais, et... Enfin, en fait si, je m'y attendais, mais j'avais pas envie que ce soit ça. Et du coup, j'étais un peu... Voilà... Le contexte m'a un peu manqué, je trouvais que c'était mieux dans le tome 1. Par contre, l'histoire, les rebondissements, les personnages, pépite, c'est tellement chouette, c'est tellement cool. Et en fait, au début, je lisais ça, je me disais, ouais, ça va, mais c'est pas... Et la fin est arrivée. Et mon dieu, cette fin. Maintenant, j'ai qu'une envie, c'est de lire le tome 3 tout de suite, alors que j'ai passé la moitié de ma lecture à me dire, c'est chouette, mais sans plus. Là, je veux savoir ce qui va se passer. Je vais essayer de le lire ce mois-ci, en mai, parce que je dois savoir ce qui s'est passé. Voilà. Donc, très étrange ce retour sur ce deuxième tome de Red Rising. Mais en tout cas, je ne peux que vous conseiller de découvrir la saga par vous-même. Parce qu'en plus, ce tome 1 est vraiment très cool.
Et c'est fini pour ce bilan du mois d'avril. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si jamais vous êtes arrivé au bout de cette vidéo, mettez l'emoji robe pour les 7 maris d'Evelyn Hugo, qui est mon coup de cœur de ce mois-ci. Et puis n'hésitez pas à me dire quelle a été votre meilleure lecture au mois d'avril. Je vous remercie pour tout le soutien que vous m'apportez encore et encore après chaque vidéo. Merci beaucoup. Et si jamais vous souhaitez me soutenir d'autant plus, n'hésitez pas à vous abonner, mettre un commentaire et un pouce en l'air. Et en attendant la prochaine vidéo, comme d'habitude, je vous souhaite de merveilleuses lectures et je vous fais des bisous.